Cet été, je me suis inscrit à la marche Matétan Maman, sans trop savoir à quoi m'attendre. Une marche de 8 jours pour une cause humanitaire qui part de Joliette jusqu'à Manawa, soit un peu plus de 200 km. Il y a plus d'une trentaine de participants, principalement des Atikamekw. J'ai voulu me relever, mon genou ne voulait plus suivre. Ok, Richard, c'est quoi pour toi? Matétan Maman. Matétan Maman, c'est un projet de soutien, tant financièrement que psychologiquement pour les malades qui sont soit dialysés ou qui sont malades à long terme, qui doivent quitter Manouane pour aller suivre du traitement. Et encore? Et aussi, Matétan Maman, c'est aussi un rapprochement des peuples. Je veux dire, on veut raconter la vraie histoire aux non-autochtones pour qu'ils puissent mieux nous connaître. En fait, pour mieux se connaître entre les deux peuples. C'est ça le Matétan Maman. Merci. Allô? Le lendemain matin, comme mon genou allait pas mieux, j'ai décidé de les suivre, puis de les filmer un petit peu, puis de prendre quelques photos.
Arrivé à Saint-Zénon, on a le droit à un souper spectacle. Puis après ça, Richard nous a parlé un petit peu de la marche. Ça fait 4 ans qu'on marche. Ça fait 4 ans que je réfléchis pour propulser encore plus loin mon Tadamamo. Toujours aller plus loin. Les autochtones, les non-autochtones, il faut qu'on se connaisse encore mieux que ça. Non, je ne suis pas plus important que ça. Vous êtes tous importants. Tout le monde est important. Dans ce mouvement-là, là, tout le monde est important. C'est pas juste à marcher, aux dialysés, aux malades, à long terme, qui doivent quitter notre communauté. Et chaque marcheuse, je pourrais dire que chaque marcheur, vous êtes des rois. Chaque marcheuse, vous êtes des reines. Parce que vous faites de quoi qui est très important. Moi, j'applaudis les personnes, les non-autochtones qui sont avec nous autres. Ceux qui marchent avec nous autres, mais ceux qui aussi viennent nous voir, viennent poser des questions. Parce que c'est important de connaître c'est qui nous, les autochtones. Beaucoup de personnes ne savent pas que la loi sur les Indiens est une loi qui nous amène souvent à se cacher. Mais il faut plus. I don't know more. Ça, c'est dans le même mouvement, en fait. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que j'aime bien ça, le micro. Ma vie, on le sait. L'autre jour, il est obligé de le fermer. Il a donné une raison pour que j'arrête de parler. Il a dit, ah, j'ai un autre spectacle ailleurs. C'est même pas vrai. Au quatrième jour de la marche, tout le monde a hâte d'arriver à Saint-Michel-des-Saints pour enfin pouvoir prendre une douche. Partir du chemin Manoine, il reste 86 km à faire. On prend une pause au kilomètre 16, où une cérémonie est organisée pour les 5 victimes. En juin 1977, la voiture dans laquelle prenaient place 5 Atikamekw et 2 Blancs est tombée dans la rivière du Milieu, à une quinzaine de kilomètres au nord de Saint-Michel-des-Saints. Ce n'est que le lendemain que les 2 Blancs, sortis indemnes de l'accident, ont averti les autorités. Rien ne fut fait à l'époque. On mit l'enquête sur une tablette. Mais aujourd'hui, près de 40 ans après, de nouvelles accusations pourraient être portées. À suivre. Ça finit par résonner dans votre tête et signifier quelque chose. Hein? Daniel m'en parlait souvent. Il avait juste à dire 16e kilomètre et on savait de quoi il voulait parler. C'est un endroit, j'imagine, où plusieurs doivent revenir de temps en temps hein, pour vous souvenir de Thérèse, Denis, Juliana, Lionel, Nicole. Alors, si vous voulez bien, on va garder un tout petit moment de silence pour que nos cœurs se rejoignent de façon à retrouver Dieu. Et ensemble, on va dire la prière des enfants de Dieu. On peut le dire en Atikamekw. Si quelqu'un veut bien le commencer, on va dire le Notre Père. Notre Père.
Merci nan not ngi gawe ko jigan minan kaye buner mishna nu hone diwe nana nai buner makche ani gi gawane to dawa mi che kaye agaye mishna ngi jibashta dia maga ek den mishna Yes. Bravo. Ça a l'air, comment était ta marche? Ah, ça s'est bien passé. Un matin, j'étais très déterminé, motivé à le faire, à compléter, parce que c'est ma dernière, mon dernier trajet. Demain, je pars pour l'Arizona. Puis aujourd'hui, j'étais déterminé. Puis avec beaucoup de force, ben, je me suis dit, je vais le faire. Je vais la compléter pour jusqu'au kilomètre 30. Malgré la chaleur, puis aussi la poussière, les autos, le chemin aussi, parce que c'est quand même un terrain vraiment pas facile. Ça a super bien été. C'est juste marcher, continuer, marcher. Et même si il y a des impondérables, les autos, la poussière, le chemin, la chaleur, le soleil. Il faut juste s'hydrater et continuer un pas à la fois. Ben, félicitations, merci. Merci Stéphane. Comment a été ta marche? Ça a bien été. Jusque là, avec la chaleur qu'il y a eu aujourd'hui, là, ben, ça a très bien été, mais. Les gens klaxonnaient pour nous encourager un petit peu plus. Puis j'ai pensé à toutes les personnes qui sont malades pour m'encourager à marcher. Hein. J'ai bien été, puis j'ai bien fini mon après-midi. Est-ce que tu es prêt pour continuer pour aller jusqu'à la fin? Oui, je suis prêt pour continuer pour arriver jusqu'à la fin. Ah, merci Louja. Merci. Aïe aïe. C'est pas mal. Ah. Es-tu guéri ou non? Assez pour ça. T'es un petit peu courageux. Comment? Kijimanjo? Kijimanjo. On va faire une prière pour que tout se passe bien. Non, on verra dans deux jours. C'est pas supposé faire mal parce que la peau est morte. Ça sera pas mal. On verra dans deux jours. Parfait. Ça fait du mal ça? Non. Ah oui! Ah ben oui, pogne-la un par en dessous. Ouais. Oh, je clique, j'aime. Ben oui, c'est ça. J'aime, je capote. Bravo,
C'est quoi vous êtes en train de faire? C'est de la banique. La banique? Oui. C'est le pain qu'on mange. Attends, là où est-ce que vient? Hein, attends. Tu vois, je suis comme chef, un grand chef de la communauté Atikamekw de Manawan. C'est avec une grande fierté que je lui laisse la parole. Et je voudrais aussi souligner la présence de nos amis allochtones qui ont fait la marche avec nous. Surtout Yveline. Il nous a fait le compte, nous a raconté le compte du set de la vie. Puis, je pense que ça, tantôt je disais à mes membres, on a commencé quelque chose au 3 juillet, le départ pour le 30 juillet dernier. Aujourd'hui, ça va être l'accomplissement d'une étape, d'une autre étape de notre
de notre cheminement qu'on est en train de faire, de se faire de plus en plus connaître, de faire que les gens qui nous avoisinent, ou qui nous connaissent, je pense que les moyens qu'on est en train de faire comme aujourd'hui, qu'on a fait, que vous avez fait toute la semaine, c'est bénéfique. C'est dans le bon sens. On se trompe pas quand on s'en va comme ça. De se faire connaître, parce que beaucoup encore de préjugés, il y a beaucoup de méconnaissances encore. En y allant par des petits gestes, comme ce geste que vous avez fait en sortant des rivières, puis de faire connaître la nation, puis d'échanger, puis de. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut être fier d'accomplir aujourd'hui. En arrivant au petit pouvoir, je pense que ça va être encore plus remarquable. Parce que ça va être... On ne peut pas dire que c'est la fin de votre parcours, mais c'est le début de plein de choses, de plein d'espoir pour les gens qui ont besoin d'aide, qui sont malades. Je pense que la cause que vous avez faite pour le maman, je pense que c'est pour les gens qui sont malades. Puis aussi, c'est de se faire connaître. Je suis extrêmement fier d'avoir des fois participé au départ, de vous avoir rencontré à certains étapes de votre parcours, d'être là aujourd'hui, et de marcher avec vous aujourd'hui jusqu'à Manoine. Alors, Nazaire, tu étais accompagnateur. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a marché, la marche? Oh, ça a très bien été. Tout le long de chaque étape, tous les jours, ça s'est passé très bien. La majorité des marcheurs ont complété chaque étape de leur marche. Là. Moi, je dirais que c'est la plus belle année de marche de Motadan Mamou que ça a été. Parce que j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, c'était ça, Motetan Mamou. Une marche de 8 jours, 207 km, 254 898 pas, 9627 calories en moins. Des milliers de dollars en dons, quelques ampoules et coups de soleil. Mais surtout une expérience de vie inoubliable à la rencontre d'un peuple fier et courageux qu'on ne connaît malheureusement pas assez.
good, Brandon. Jonathan.